Ils vont passer. S'ils sont tous dans le même état d'esprit, comme on sait que vous êtes capable de faire du gras. Si vous tous êtes dans le même état d'esprit, ça va faire mal. Ah, je pense, j'espère. Faire du gras, t'attrapes quelqu'un sur un côté, tu le mélanges bien comme il faut. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. Tu le mélanges bien comme il faut. Comme Marco Fonvo. Ce qui est tombé sur les fesses, là. Qui est tombé sur les fesses. Rojo. Vous êtes méchant. Et toi, tu vas le suivre un peu en Russie? Ouais, je vais y aller, je serai présent. Tu penses? Oui. T'es sûr? Non, je vais attendre les deux derniers jours de Ramadan. Et puis, je vais y aller. Si tu devais te décrire en trois mots, ça serait quoi? Chambreur, qui rigole beaucoup. Et... quoi d'autre? En trois mots, Ousmane? Il va pas être content. Hein. Crac, talentueux, humble, drôle, une force tranquille, sûr, malin, gentil, génie. Génie, pour moi c'est un génie. Et marrant. Dans les quartiers, on jouait au foot, dans la rue, etc. On faisait des matchs de 13h jusqu'à 20h. Tout le temps avec un ballon, tu connais. En fait, il lâchait jamais son ballon. C'est, on sortait de l'entraînement, des fois, lui, il revenait, il reprenait le ballon et il rejouait tout seul de l'autre côté sur un autre stade pour retaper le ballon, quoi. Voilà, c'était du goal à goal. Boum! Boum! Arrête ton pied droit, ton pied gauche. Ousmane, c'est le petit qui était là, comme tous les petits d'ici. Il a 10 ans de moins que toi, il t'a mis un crochet, il t'a mis un petit pont, il a marqué. Ça devient la star du playground, et puis ça commence à parler de lui. J'entraînais un peu l'école de foot, et un soir, en partant, j'ai vu jouer. Là, c'est Dembo, c'est Ousmane Dembélé. J'ai vu qu'il a des touches de balle un peu exceptionnel à son âge. Il regardait les matchs à la télé, il m'a dit « Est-ce qu'on peut jouer avec les maillots, tout le monde les mêmes maillots, avec un arbitre avec... ?» J'ai dit « Oui, oui, tu auras un maillot comme tout le monde sur le terrain, et puis tu auras un arbitre, tu auras du monde autour de toi, et il y aura des spectateurs et tout. » Puis bah, il s'est mis à rigoler et tout ça, il a dit « Bah ouais, je viens. » Chaque match, il marquait, il fallait qu'il t'en dribble 3-4, il fallait qu'il fasse son boulot, quoi. Franchement, je me rappelle un jour, on a joué contre un club, c'était contre Vernon. Il est rentré sur le terrain, il a dribblé le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième. Il a dribblé le gardien, il a marqué avec la tête. Et ça, là, je pourrais pas oublier. Même les gens de Vernon, ils n'oublieront jamais ça. Surtout le gardien. Il n'oubliera jamais cette phase-là. Il y avait pratiquement tous les clubs de France qui venaient à Évreux. Il allait faire ses essais. Les retours, c'était qu'il était même en avance sur les joueurs qu'il y avait dans les centres de formation. Donc, ouais, quand t'entends des choses comme ça, tu commences à te dire que c'est sérieux et qu'il peut faire, qu'il peut avoir un bel avenir devant lui. Moi je disais que je voulais devenir comme Cristiano et lui il disait qu'il allait devenir comme Messi. Il nous avait fait la promesse un peu, il nous avait dit les gars vous allez voir, je vais essayer de faire quelque chose, je vais essayer d'être un grand joueur. Et petit à petit il a fait ce qu'il avait à faire et au jour d'aujourd'hui bah c'est le collègue à Messi quoi. Son camarade de foot. Quoi. Je suis trop la star. Et Agui vous l'a mis virgule. Agui vous. Là c'est un fou Agui vous. Il a mis but contre le camp. Bosse-le. Ouais, c'est la dernière fois que je me suis tué, t'as oublié ou quoi? Ça vient. En plus, c'est la dernière fois que je t'ai croqué. Il fallait me mettre une dembo. C'est la dembouze. C'est quoi la dembouze? C'est crochet. Voilà, dembouze, la pointe de frappe. Les poussées de balle, l'accélération, les boulettes. Tout le monde appelle ça comme ça, dembouze. Ouais. T'es au courant que maintenant à la Balzane, les petits, ils ont leur dribble, ils appellent ça des dembouze. Ah ouais?
Je savais pas, j'étais pas au courant. Je sais pas s'ils me prennent en exemple ou pas, mais ça fait plaisir que les jeunes de quartier regardent ce que je fais. Où il appuie cette fois ? Du quartier, c'est la Madeleine et Évreux. C'est sûr. C'était du quartier. Avec les gros qui jouaient, les Diata, mes frères, ses frères à lui. Tout le monde, tout le quartier. Judiciaire démêlé, je suis ni gauche ni droite comme les jambes de Dembélé. T'as les yeux verts comme l'ex de Makelele. Inspirer les petits frères, c'est le plus beau cadeau que tu peux donner aujourd'hui à ton prochain. Parce qu'en l'inspirant, tu lui donnes la force nécessaire pour pouvoir s'en sortir. Écoutez Socrate, faudrait que j'apprenne une sourate. Enfin, mon âme... C'était normal, hein. Calme, comme nous. C'est des bêtises à l'école, partout au foot. En fait, il faut savoir qu'un gamin qui a grandi dans les quartiers, un gamin qui a grandi peut-être dans des conditions difficiles n'a pas les mêmes problèmes qu'un autre qui a grandi dans les beaux quartiers. Ou... On n'a pas les mêmes problèmes. C'est-à-dire qu'il faut ça, il faut le savoir, il faut le comprendre et c'est une réalité. Là, on va arriver à la case où Dembélé a habité. C'est là où il a pété plein de carreaux. Bah, c'est là où Dembélé a habité, où il a joué. À chaque fois, tirer, casser les carreaux, etc. Et juste en bas, Mustapha habitait là. Son meilleur pote. Moi, c'est mon idole. Déjà, ça, je sais pas si je l'ai dit, en tout cas, c'est mon idole. J'habite dans la même cage où il habitait, sur le même club, sur le même club où il a joué. Et moi, mon rêve, c'est faire le même parcours que lui. Et jouer avec lui. Le quartier de la Madeleine, ça nous a aidé à nous construire parce que, déjà, à la base, on a grandi avec Mathieu Bonnemère ou Bernard Mendy, Steve Mandanda comme exemple. Donc on se disait déjà que si on travaillait et qu'on mettait tout en œuvre, bah, on pouvait aussi avoir une carrière comme la leur. On parle du quartier comme étant un handicap. Nous, on le prend comme une force. Et ça fait de belles choses. Ça fait la France d'aujourd'hui et ça fait justement les gars que tu peux voir aujourd'hui en équipe de France, dont Ousmane. Pour moi, la mentalité de quartier, c'est ce qui te permet d'être déterminé même face aux plus grandes adversités. Au moment où tout le monde croit que tu peux être fini, il y a des choses, il y a un truc mental qui fait que tu n'arrives pas à lâcher l'affaire. La gagne, tu l'as ou tu l'as pas. Souvent, on dit que c'est un défaut d'être un mauvais perdant. Généralement, ceux qui vont très loin dans le foot et puis même ailleurs, hein. C'est souvent des mecs qui aiment pas l'échec, qui aiment pas perdre. Pour moi, c'est ma force, le quartier. Ça m'a aidé à aussi être un homme bien, un homme humble. Voilà, j'oublie pas d'où je viens. Parce qu'on a connu des choses que d'autres personnes n'ont pas connues. C'est toujours ma force, quand je peux retourner à Madeleine, je retourne. Quand il a signé pro, il était encore là. Quand il a été à Dortmund, le ramadan, il l'a passé ici, à la Madeleine. Il avait besoin de ça, tu vois, de respirer... le quartier, et puis retrouver cette liberté, tu vois. Au fond de lui, je crois qu'il est gaucher. En tout cas, il est ambidex. Maintenant, on sait qu'il est ambidex. Vous savez ce qu'on dit sur les gauchers, hein. Les gauchers sont meilleurs que les droitiers. C'est faux, frère. On a deux plus forts que Messi. Sinon, je joue la balle. Tu as la balle. Allez, laisse-moi la grippette. Est-ce que vous savez que c'est le dernier match de championnat? Ouais. Ouais. Pour le Barça? Ouais. Vous êtes au courant? Bien sûr. D'accord. Je joue contre qui? Ah, la colle. Vous savez pas? Griezmann, il jouait où avant d'aller à l'Atlético? Real Sociedad. Il jouait où? Real Sociedad. Real Sociedad. Donc, il joue contre le Real Sociedad. Ousmane nous a contactés et il vous invite, vous tous là, à aller regarder le match. Dimanche. Ah, c'est vrai? Ouais. Non, c'est une blague. Non, c'est pas une blague. C'est vrai? Hein? Sérieux? Vous tous là. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et il y en aura encore. C'est bon, les gars? Très, très bon. On va voir le match de Ousmane Dembélé dimanche. Demain. C'est vrai? Bah, tu verras. Tu verras. Je vais prendre une photo avec Messi. J'arrive pas à réaliser. Pour moi, je sais pas. C'est... Tu vas réaliser quand tu seras dans l'avion? Ouais.
Quand j'aurais mis un peu au contenu, c'est là que je me dirais, bah, c'est vraiment. Ce serait pas du pipi. C'est réel. On sera au contenu. Dembélé, Suarez, Iniesta, Carpussa, retraite, mais. Voilà quoi. Quand t'es petit et puis on t'annonce que tu vas aller à Barcelone pour aller voir un match, tu vois, ça doit faire plaisir. Puis nous, on n'a pas eu cette chance, donc on essaye d'offrir cette chance aux autres petits, tu vois. Moi, numéro 10, je joue en 10, lui, je joue attaquant de pointe. Et lui, il jouait défenseur central. Que la grinta. Ouais, moi, un casseur. Ça, je peux parler de la technique. Je suis derrière. Il s'occupe de marquer, je le casse. C'est tout. Je suis pas timide. Surtout quand je suis avec mes gars, là, tu vois, en slash, tu vois. Comment il a eu cette image, lui? This is the kind of setup. So you interacting with the car. The backdrop is all orange, so you will look amazing against this with the white shoe. Donc là, ils ont pris quelqu'un qui me ressemble, c'est ça. Ils ont essayé, tu vois. We have to know it looks good. And then portrait, and then we're done. Qu'est-ce que tu penses de cette tendance un peu de plus en plus mixer justement la mode, le foot, le... Je pense que ça va ensemble. Si t'es bon au foot, il faut avoir un bon style. Après, si t'es pas bon au foot, c'est mieux d'avoir du flow quand même. Il met pas beaucoup de crème sur ses jambes. Hein, il a l'habitude d'avoir les jambes assez grises. Assez grises, ouais. Donc là, avec un short, là, ça s'est vu directement. Ils l'ont crémé direct, tu vois. C'est pour ça. Ça va rester entre nous. Hein. Petit à petit, on se prépare. En plus, ça va venir vite. Donc voilà, on reste concentré en club, mais on a quand même une pensée pour la Coupe du Monde qui arrive. Ouais, je l'ai su la veille à minuit et j'étais super content. La première fois que je suis arrivé, ça s'est bien passé avec tout le monde. Plus c'est un groupe jeune, donc voilà, ils m'ont mis tout de suite à l'aise. Son histoire, elle est extraordinaire, elle est magnifique. T'arrives à Rennes, c'est compliqué pour signer pro. J'ai fait quoi, 4-5 entraînements dans l'année. Alors que en CFA, ça se passait bien, je marquais des buts, etc. J'étais bien. J'ai une anecdote qui m'a marqué, parce qu'il venait de rentrer. C'était un petit noir tout frêle. Il y a une touche, il contrôle, et il prend la balle au long de la ligne, et il pousse. Et il pousse, mais genre, il pousse, la balle, elle sort, mais il continue à pousser. Et il démarre tout le monde, tu vois. Et oh, je dis, oh, ah, c'est vrai, il va aussi vite que ça. Cette vitesse, je sais pas d'où elle est arrivée, mais elle est pas venue, elle était pas déjà là avant. Tout le monde voulait que je monte avec les pros, mais le coach des professionnels voulait pas. Mais après, je me suis dit, tranquille, s'il veut pas que je m'entraîne, s'il veut pas que je sois avec les professionnels, bah, je vais demander à quitter le club pour aller tenter ma chance ailleurs. Après, ils ont pas voulu, il y a eu des choses. Moi, je me suis pas entraîné pendant deux, trois mois. Et puis après, à la fin, on a réussi à avoir un terrain d'entente avec l'arrivée de Michael Sylvestre. Quand j'ai commencé à jouer en Ligue 1, certaines personnes m'ont dit, en fait, t'avais raison. C'est bien aussi de faire taire les critiques. Mais moi, comme je le dis toujours, c'est sur le terrain la vérité. Dès la première saison, tu as un transfert, tu pars à Dortmund. Tu arrives à Dortmund dans un nouveau pays où tu connais pas la langue, tu connais pas la culture. Il aurait pu aller à Barcelone à ce moment-là, après Rennes. Ça aurait pu très bien se passer. Mais il s'est dit non, je vais pas aller maintenant. Je vais d'abord aller à Dortmund, faire mes preuves à Dortmund, continuer à grandir. Et après, j'irai à Barcelone. Oba a été très important pour lui dans son intégration à Dortmund. En fait, il m'a donné envie de l'aider et de le prendre sous mon aile. Parce que je sais que ça, forcément, ça peut ne pas être simple. Parce qu'il parle pas l'allemand, et, ni l'anglais d'ailleurs, ni l'espagnol maintenant. Un petit peu. Je me dis, voilà, il faut que je prenne ce rôle de grand frère. Ou ouais, on peut l'appeler comme on veut. Je le prends au sérieux parce que, voilà, comme je te l'ai dit, il m'a donné envie de l'aider tout de suite, de le mettre dans les bonnes conditions. Et surtout, j'ai envie qu'il réussisse. Bah, ça nous représente vraiment bien nous deux, puisqu'il a marqué en finale et j'ai marqué aussi en finale. On a passé une bonne soirée après, et même le lendemain aussi. Ça reste un grand souvenir de Dortmund. Ça restera à tout jamais.
Ça a été un transfert difficile parce que c'était pas évident de partir au bout d'une saison de Dortmund et d'arriver à Barcelone. En tant que grand frère, agent, entre guillemets, on est là pour accompagner les jeunes. On est là pour faire en sorte que leurs rêves se réalisent. Et moi, l'une des premières questions que je lui ai posées à Ousmane, c'était « C'est quoi ton rêve ?» Et tout de suite, il me dit « Mon rêve, c'est de jouer à Barcelone. » Ce rêve-là, tu veux le réaliser ? Et il y a un club qui t'empêche de le faire alors que tu as été clair avec eux depuis le départ. C'est là que le clash, il est inévitable. Tu vois, la mentalité de quartier, quand tu es un mec déter, tu sais ce que tu veux. Donc tu n'as pas peur de partir en clash. Parce que tu sais que même si demain, ce clash-là, il te pénalise, tu as tellement confiance en ce que tu es que tu pourras recommencer et continuer. Oui, il y a eu ce qui s'est passé. Puis moi, tu vois, je regrette rien, tu vois. Ça s'est passé comme ça et puis voilà. De toute façon, dans l'histoire, tout le monde est gagnant. Quand il a signé au Barça, on savait que c'était un niveau qu'il voulait atteindre pour évoluer en tant que joueur, pour gagner des titres et pour être un grand joueur. Il va à la Coupe du Monde et il va pour faire du gras, comme on dit. But. Crochet, Ousmane Dembélé. Il était même pas encore entré en Ligue 1. Il y a un gars qui vient, il y a des caméras, et puis il la chante, comme si ça lui appartenait. Fantôme, t'y crois maintenant ou pas ? Un peu oui. Sors-moi ton meilleur espagnol. Moi ? Espagnol. Moi. Me gusta de comer. Un manque de politesse envers les gens d'ici là, on prend tous nos bagages, on rentre chez nous. Et les gars, vous regardez même pas le match demain, je vous dis tout de suite. C'est compris ou pas ? Oui. C'est bon ? Ok les gars, je vous sens un mot, vous êtes pas des gamins. Oui. Là on va aller manger la lutte. Ça surtout toi. Faites quoi vous ici là ? Vous pouvez pas dormir, c'est ça ? Hein ? C'est caché. Ousmane, c'est comment ? C'est quoi ton gros mal de voix là ? Ça va quoi ? Tchim ! Où t'as ramené le téléphone ? Fantôme ! Qui ça ? Le téléphone est dans le bureau. C'est des peureux. T'es petit là. C'est des peureux. Ça déjà c'est beau. Laisse-en prendre. Hein ? T'as pris ça où ? Il est dans le frigo là-bas. Ça se passe pas comme si c'était à moi. Je te jure, il y en a un. Oui, non, je l'ai pas. On fait quoi de ma fille ? J'ai craqué, t'as bassé. Il y a Tessa, gratos. Non. C'est pas gratos, non. Non, c'est pas. Mais non, c'est pas gratos. Il a dit si, je te jure. Bah, il y a Ali Yaya et Elio qui ont inondé la chambre. Abusé, j'ai jamais vu ça. Vous, c'est trop, voilà. Même pour une douche tranquillement, vous y arrivez pas. C'est petit, tu peux pas aller sortir de la haisse. Non, tu vois, même quand. Tu peux pas, c'est comme ça, hein. Comme ça, je peux rien dire. Younes, ils voulaient les tuer. Bah, ils ont fait sauter la caution. Ils ont pris un bain à trois, ils ont laissé l'eau couler. Bah, tu veux que ça soit qui ? C'est Ali Yaya et Elio. Deux gangsters, hein. Ça pouvait être que deux, de toute façon. Moi, ça me fait rire.
Je vais les engueuler. Je les ai déjà engueulés, mais ça me fait rire. Est-ce qu'on aurait été capable de faire la même chose? Mais bon, faut les engueuler, sinon on croit que c'est normal. C'est important de leur montrer que en travaillant, c'était possible de s'offrir des belles choses, de se faire plaisir, de faire plaisir à ses proches. Et ouais, c'est important qu'ils voient tout ça. Qu'ils voient les sacrifices et aussi la finalité. Par cas, s'il vous plaît. Quel enfoiré, ce allié. Hein. Il a aucune pitié. Entends ça. Vous nous avez invités, vous allez payer. Ça veut dire ça. C'est tout. C'est possible de bloquer les minibars. C'est pas possible de bloquer les minibars, non. Et en fait, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vider le minibar, sauf qu'il faut payer pour vider le minibar. Non. Tout Hey, Marwan. Habib, il se promène à l'hôtel pieds nus. Il se croit à Istanbul. Yeah, regarde, lui aussi, il croit que c'est les... Jawed, tu vas remonter comme ça dans ta chambre. Tu remontes comme ça dans ta chambre. Ouais. Tu rigoles? Foutaise, allez, pousse-toi ici. Dominique Strauss-Kahn. C'est vraiment pas fou, ça. 3, 4, 5, 6, 7. C'était pieds nus à l'hôtel. Pieds nus, tout, en train de courir et tout. J'ai dit, vous faites quoi là? Bah, on remonte dans nos chambres. Dégage, va t'habiller, suis-toi. Ah voilà, laisse tomber, mon gars. Jusqu'après, j'avais plus de force. Ils disaient, hey, va voir Adama. J'en peux plus. Dis à Adama. C'est moi, j'ai cru que j'allais faire 50. Hier. Vous savez déjà. Bien sûr. Oh, on vous connaît nous pas. Tu nous as porté le qui ça? Toi. Non. Je ne sais rien porter du tout. Non. On vous connaît, c'est tout. Non, moi, je suis calme. Ça ne sert à rien de faire des bêtises. Moi, je fais des bêtises quand je galère. Mais là, je ne galérerai pas. Tu galérerais pas? Non. Qu'est-ce qui t'a pris? C'est l'eau, voilà, j'ai mis trop d'eau. Non, mais c'est vrai, c'était un accident. Il a fait quelle phase à l'hôtel pour la piscine? Qui c'est que t'as dit qu'il y avait une piscine? Bah, tu m'as dit, c'est un 5 étoiles. C'est une piscine, c'est obligé. Mais qui t'a dit ça? Mon frère. Il a un téléphone, le fantôme. Il est sur ici, il a grandi. Il est sur quoi? Il est sur NBA là? Tu l'as laissé sur NBA? Je sais même pas, il est où. Et c'est un croqueur sur NBA? Qui? Toi? C'est un croqueur. Il prend tous les shoots de son équipe. Il ne recule pas. Mais comment ton personnage? Dembouk. Dembouk. Je suis MVP, gros. Dembouk. Recommence à savoir. Je trouve que la presse est un peu dure avec lui. Dure avec lui parce qu'il a été blessé 4 mois. Et je me souviens quand il s'était blessé, il a dit tranquille, je reviens bientôt. Il pensait que ça allait durer 2 semaines, 3 semaines. Mais après, il s'est rendu compte que ça allait être un long processus et qu'il fallait être patient. Des fois, quand j'entends les critiques à son égard, je me dis, mais ils ne se rendent pas compte, les gens, il est dans le plus gros club du monde. Ils ne savent pas ce que ça implique d'être à Barcelone à 20 ans et de porter ce maillot-là. Quand il signe au Barça, je ne pense pas qu'il ait une pression supplémentaire. Je pense plutôt qu'il a de l'envie. L'envie de porter ce maillot, l'envie de montrer ce qu'il sait faire. Après, sur le terrain, gagner des titres aussi, c'est ce qu'il veut, ce qu'il veut faire avec cette équipe. On n'a rien sans rien. Pour aujourd'hui jouer à Barcelone, jouer au Paris Saint-Germain, jouer dans tous ces gros clubs-là, tu claques pas des doigts et tu te retrouves dans ces clubs-là. Ça passe par des gros sacrifices. Il n'y a que le travail qui donne. S'il travaille, il peut aller plus haut. On a vu Pelé, hein. Tout ce qui vient, Pelé, Ronald Guignon, Ronaldo, ils viennent de là, du bas, mais ils sont en haut, au sommet. Moi, je crois ça. Pour n'importe quel jeune du quartier, ils disent « Putain, il était avec nous là, il n'y a même pas très très longtemps, maintenant il est au Barça, c'est la folie, c'est hors du commun, c'est ce qui est extraordinaire, c'est hors de l'ordinaire. C'est ça qui fait que tu deviens inspirant pour ceux qui te ressemblent, les jeunes des quartiers. » Fais attention avec le téléphone, hein. Il est 46. Accessant, c'est là. Thank you.
fait que Ousmane ait réalisé tout ça aujourd'hui, pour les petits de la Madeleine, c'est une vraie source d'inspiration parce que, en fait, il démarre comme eux. Il n'a pas eu de coup de pouce et il s'est donné les moyens. Et les petits, ils voient aujourd'hui qu'avec cette détermination, il y a tout qui est possible. Ils se disent, moi aussi, je peux le faire. Quand tu regardes la télé, tu vois les Neymar, les Messi, les Dembélé. T'as envie de faire du foot, t'as envie de jouer, t'as envie de percer, t'as envie d'être comme eux. Si une personne a réussi, on peut tous le faire. On peut tous réaliser notre rêve. Marwan, t'es content ? On lui a donné l'opportunité de réaliser son rêve. Il est à Barcelone, il est là, il est dans ce club. Mais il n'a pas encore réalisé son rêve. Il aura réalisé son rêve quand il aura marqué le club. Et ça, pour ça, il y a du travail. Et il est prêt pour ça. Quand on parle de Coupe du Monde, je pense directement à 2006, parce qu'en 98, j'ai pas d'image, mais ouais, je pense à 2006, à 2010, aussi à 2014. Et puis, pour moi, c'est la plus grande des compétitions dans le football. Et puis, voilà, c'est tout donné pour le pays, voilà, rendre fière sa nation et aller le plus loin possible, quoi. Il n'y a qu'à Consac qui est sûr, c'est par là. Clairefontaine. Hein? On dirait on va à Évreux là.